Bonjour patron. S'il vous plaît, je veux prendre la clé pour faire sortir la voiture du garage. Justement, je t'attendais. Appelle-moi le jardinier. Ok. Ça va? Ça va bien, patron. Va m'appeler le cuisinier là. Depuis là, je l'appelle là. Cuisinier, j'ai dit, entre vous trois là, qui a poil sur sa poitrine? Bon, toi, enlève ton habit, je vais voir. Fais voir ta poitrine. Enlève bien. Ok. Ah, tu as poil sur ta poitrine. Tu es viré. Tu es viré. Toi, soulève ton habit, je vais voir. Fais voir ta poitrine, monsieur. Ok. Tu as poil sur ta poitrine. Tu es viré. Tu es viré. Faut plus arroser fleurs là. Tu es viré. Faut partir. Toi, tu as quoi? Tu fais comme si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Patron, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Joyeux anniversaire, chérie. C'est ma petite surprise pour toi. Merci. Moi, ma petite chérie. Merci. Mais chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais je te sens trop calme depuis le matin. Quelque chose te manque? J'essaie de te rendre heureux depuis hier, mais... Bien, tu n'aimes pas les plats que je fais? C'est ce que vous, les femmes, vous ne comprenez pas. Les bons plats ne suffisent pas pour rendre un homme heureux. Mais il faut quoi d'autre? En plus du fait que je ne te refuse jamais rien au lit. Ce n'est pas de ça que je parle. Bon, bref. Tu sais, tu varies déjà les plats pour le bien-être de ma personne. Et si tu pouvais me donner la permission de varier aussi les choses de l'autre côté, ça nous rendrait plus heureux. Est-ce que tu veux me dire de te donner la permission de coucher avec les filles? Pour le bien-être de la famille. Ok chérie. Je te l'accorde. C'est vrai? Oui. Mais à une seule condition. Quelle est cette condition? Moi je veux pas coucher avec lui. Mais passer juste une nuit avec lui. Le fait de voir les poils sur sa poitrine me met hors de moi. Donc, j'ai besoin de juste une nuit et me retrouver dans ses bras et caresser sa poitrine. Attends, tu parles de qui? Il est tout le temps avec moi à la maison. Bon, enlève tes boutons, je vais voir ta poitrine. Oh, patron. Tu es viré. Vous êtes tous virés. Jusqu'à ce que moi aussi j'ai des poils sur ma poitrine.